Un salarié aidant, c'est avant tout un salarié qui travaille comme tout autre salarié. La différence, c'est quand il va rentrer chez lui, il va avoir besoin de s'occuper éventuellement de sa femme, de son fils qui a un souci de santé et qui va lui prendre beaucoup de temps en rentrant chez lui en plus de son travail habituel. Les salariés aidants font remonter trois points principaux. Le manque de temps pour réaliser des activités sportives, prendre soin d'eux. Des difficultés sur leur santé avec une fatigue psychique et ou physique. Et enfin, des difficultés à obtenir les informations sur les différentes aides dont ils pourraient bénéficier dans leur situation. L'AIST 87 est un service de prévention et de santé au travail. À ce titre, elle dispose de l'ensemble des professionnels et des compétences pour orienter et accompagner les salariés dans leur rôle d'aidant. L'AIST 87 peut intervenir à plusieurs niveaux. Au niveau de la santé du salarié, puisqu'on a vu que le salarié aidant peut être impacté sur sa santé, et comme interlocuteur privilégié entre le salarié aidant et son entreprise. Pour accompagner les salariés aidants, l'AIST 87 dispose d'une équipe pluridisciplinaire. Le médecin du travail va pouvoir s'occuper de la santé du salarié et, s'il le souhaite, l'orienter vers un autre professionnel. Nous avons par exemple une assistante sociale qui va pouvoir s'occuper de l'orienter dans ses démarches et l'accompagner le long du processus. Nous avons également une psychologue du travail qui peut intervenir en cas de besoin. Les entreprises ont un rôle primordial à jouer dans les situations des salariés aidants. L'AIST 87 peut informer, sensibiliser les entreprises sur cette problématique. L'AIST 87 peut également les accompagner dans la mise en place des différentes mesures d'aide concrètes sur le terrain pour faciliter le maintien en emploi de ses salariés. À l'occasion de la Journée nationale des aidants, le 6 octobre, l'AIST 87 organise des portes ouvertes pour accueillir toute personne qui serait intéressée par rapport à cette thématique, que ce soit salarié ou entreprise.